coupé l'électricité, il n'y avait pas de lumière ici dedans. Mais bon, ouais, de faire une boulangerie, en soi, il y a la place de faire la boulangerie et de mettre des tables pour servir. Hein. Bon, mais voilà. Hein. Pour trouver le lieu, ça demande beaucoup de travail. Il faut avoir 2-3 numéros d'agents qui vont vous donner des affaires à visiter. Il faut en parler à 2-3 copains restaurateurs qui vont vous dire qu'ils ont vu une affaire à vendre. Certains, un texto sur une affaire qui vient de rentrer. Et là, j'ai des adresses qui me tombent à droite, à gauche. Et là, après, il faut y aller. Je vais vous dire franchement, je ne vais pas passer 3 jours à faire que ça parce que ce n'est pas mon métier. Donc quand je vais aller prendre le plaisir d'aller voir un pot dans le 15e arrondissement, sur le trajet, ben, je me rappelle que l'on m'a envoyé une adresse à aller voir. Attends, mais ça, non, mais l'étincelle, tu parles de quoi? De l'hôtel de ville ou de celle de la rue de Clichy? Donc pouf, je vais m'arrêter devant. Je vais aller boire un café et si ça me parle, je dis que ah ben voilà, j'ai mon anniversaire dans 2 semaines, j'aimerais faire mon anniversaire. Et si on veut organiser par exemple un anniversaire pour une 60aine de personnes, ça passe? 60aine, ce serait ici et à l'étage. On peut pas mettre 60 personnes à l'étage. C'est possible de voir l'étage? Bien sûr. Merci. Voilà, bon, c'est un petit mensonge, ou au moins ça me permet de visiter l'affaire un peu plus en profondeur. Il faut visiter, je pense, une 20aine, une 30aine d'affaires différentes. Et dans les 20 ou 30, il faut choisir celle où on a ressenti quelque chose en rentrant. Un petit frisson, celle qui vous a pris les tripes. Mais c'est pas évident. Attends, j'ai un texto de Jean-Marie. Chez Fraisé. Ça donne quoi ça sur internet là? Ça me donne envie d'aller faire un petit tour là-bas quand même. À mon avis, je vais... une belle cheminée des années 50. Je vais aller y faire un tour. Je vais y passer ce soir hein, devant pour voir le quartier déjà et peut-être m'y arrêter boire un coup. Hein. Vous voulez boire un verre Oui, et manger peut-être. Oui. Je peux mettre là? Oui. Donc il y a une autre salle oui, derrière. Oui, nous avons une très grande salle derrière avec un patio okay. Et une grande belle. En fait, j'aimerais bien, vu que c'est grand, j'aimerais bien organiser mon anniversaire ici. Est-ce que vous pensez que c'est possible que je prenne une vidéo de l'entrée du restaurant et que je vienne jusqu'ici? Tout à fait, monsieur. Oui, ça vous dérange pas? Non, ça me dérange pas du tout. La première salle où on pourra faire la boulangerie. Pardon. Non, à mon avis, on peut faire tous les buffets à volonté. Mais il y a une cuisine ouverte. C'est immense la salle.